Et salut tout le monde, c'est XRouge et cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo test et je vais vous présenter Payday 2, mais pas n'importe lequel, de Creamwave Edition sur PlayStation 4. Donc voilà, le remastered HD du fameux jeu sorti en été 2013, ça commence déjà à dater sur PlayStation 3, j'avais fait ce précédent test. Pas de note encore à ce jour, toujours développé et édité par 505 Games et Overkill, sorti officiel le 12 juin 2015. Et donc du coup, je vous rappelle qu'il avait eu une moyenne approximative de 15 sur 20 sur la plupart des sites communautaires de tests de jeux. Donc voilà, au menu, je vais scinder ma vidéo en deux pour vous présenter un petit peu les nouveautés, enfin ce que j'ai pu voir pendant ces quelques heures de jeu. On reprend au niveau 0, il n'y a pas de sauvegarde à importer de la PlayStation 3 à la PlayStation 4, je ne peux pas dire pour les autres consoles que ce soit, du coup, enfin PC, il n'y a pas d'export à faire. Mais par exemple de Xbox One et avant la 360, je ne peux pas savoir s'il y a un import de sauvegarde, ça je ne pourrais vous dire. Donc j'ai dû recommencer de zéro et je suis actuellement niveau 57 comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Comme vous pouvez le voir, vous savez qu'il y avait les jobs. Je vais partir du principe qu'on prend Payday 2 sans DLC, car The Creamwave Edition inclut tous les DLC à compter d'aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez tout en bas le fugitif. C'est une nouvelle classe de personnages, mais nous allons y venir de suite. Vous incarnez les 4 personnages, les 4 protagonistes du gang Payday. Vous avez Dallas, le cerveau, vous avez l'exécuteur Chains, vous avez Wolf en tant que technicien, et vous aviez comme fantôme Hoxton, mais là il s'agit de Houston, le remplaçant de Hoxton, car si vous suivez un peu la web-série, et The Creamwave Edition s'en est grandement inspiré pour faire la suite, et ainsi aussi poser ses DLC, Hoxton est devenu le Old Hoxton avec ce masque-là, que vous voyez en fond à droite de l'écran, pour laisser Houston en tant que fantôme officiel de l'équipe. 8 personnages maintenant vous pourrez choisir, au lieu de 4, dont par exemple Clover, qui est aussi le premier personnage féminin du gang Payday. Cela n'a aucune influence, car avant nous étions obligés de choisir le personnage en fonction de sa classe. Donc si vous voulez jouer fantôme, vous deviez prendre Hoxton, si vous voulez jouer technicien, il fallait avoir Wolf, etc. Là on peut prendre n'importe quel personnage et lui attribuer n'importe quel atout, enfin n'importe quelle compétence personnelle. À savoir que tout est cumulable, moi je joue principalement fantôme, mais j'ai mis quelques points par exemple dans le cerveau qui me permettent par exemple de avoir une meilleure endurance pour courir plus vite, pour pouvoir transporter mes sacs plus rapidement en m'ayant acheté le premier point du transporteur du côté de l'exécuteur, etc. 2 paliers d'achat, je vous le rappelle, qui vous demandera des points de compétence, points de compétence qui s'acquièrent en prenant un niveau dans le jeu, niveau qui s'octroie assez facilement, qui s'obtient très facilement jusqu'au niveau 40, ensuite il va falloir vous faire des missions avec beaucoup plus de difficultés pour acquérir beaucoup plus d'expérience et monter ainsi de niveau plus facilement. 2 niveaux donc du coup d'achat à chaque fois. Là par exemple vous voyez, pour acheter la base il me faut 4 points, donc passer 4 niveaux que je puisse avoir ces 4. Là je n'en ai qu'un en bas à gauche, vous voyez qu'à côté du Lucky Ace du signe du pic, je n'en ai que un à dépenser. Il y a mon niveau et l'argent que j'ai sur moi à dépenser, donc là vous voyez que pour avoir la base il me faudrait 4 points et 576 500 $ pour débloquer la base et ensuite pour le passer en Ace, comme vous pouvez le voir pour le caméléon, le shinobi, la rapidité, le gros, les gros billets, etc. Il vous faut avoir donc le rang 2 par exemple, et là il vous faut claquer plus de points et plus d'argent. Le fugitif. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça a tendance entre un petit peu du médic, du stealth, parce que ça requiert un petit peu de rapidité. Vous voyez que, par exemple, augmente votre vitesse de grimpe. Au niveau, c'est de la réparation, en fait. Réduit le temps de déploiement du kit des premiers soins. Donc voilà, ça reste un petit peu du heal tout en étant rapide. Vous avez le Lakimbo, donc l'ambidextrie qui est possible pour cette classe. Je vous rappelle que toutes les classes ne sont pas aptes à manier 2 armes en akimbo pour les armes secondaires. Le fugitif, lui, il le peut. Du côté, par exemple, de l'inventaire, vous pourrez toujours avoir autant de slots que vous le désirez pour créer votre arme disponible à l'achat. Vous leur rajoutez les accessoires que vous pouvez débloquer, car je vous le rappelle que c'est 3 cartes à tirer à la fin de votre casse pour débloquer des choses, masques compris, accessoires, etc.
A savoir qu'un atout équipé sur une arme est perdu à jamais car vous ne pouvez pas le retirer pour le placer sur une autre. Vous avez donc du coup des armes secondaires, par exemple telles que voilà, des mitraillettes, comme vous pouvez le voir, qui n'étaient pas présentes dans les anciens. Je vous ai dit que tous les DLC étaient présents dans celui-là. Des pistolets, fusils à pompe, les armes spéciales dont telles que la scie, les armes de mêlée, les armures différentes en fonction, l'équipement de base que vous voulez placer avec la touche L1, les différents masques que vous voulez vous personnaliser en fonction de ce que vous choisissez, et les 8 personnages de base qui vous sont montrés à la fin. Donc voilà les nouveaux, vous avez John Wick, Hoxton, donc en Old Hoxton vu que c'est censé être le nouveau vu que Houston l'a remplacé, Clover qui est le personnage féminin et Dragan. Donc voilà, ça ce sont les nouveautés les plus importantes, je ne vais pas non plus tout vous spoiler, je vais de suite switcher avec une partie avec des amis et je vous parlerai plus en détail du jeu. A de suite. Bien. Donc, je me retrouve avec deux de mes camarades, vous voyez leur pseudo en bas, le cercle vert c'est notre vie, bon, je ne fais qu'un bref rappel, comme Payday est un jeu déjà très connu, je m'efforce de vous rappeler brièvement, tout en essayant de vous expliquer pour ceux pour lesquels c'est une première fois. Je suis en compagnie de Funker517 et de Blogor, ancien teammate que j'avais sur ma vidéo sur PlayStation 3, donc voilà, si vous les avez reconnus, que vous regardez un peu mes vidéos, il s'agit de ces personnes-là. Un an et demi après une vidéo sur Play 3, ils sont toujours présents et je les en remercie. Ils m'entendent, je les entends, mais vous ne pouvez pas les entendre. Je vous rappelle que la Play 4 n'a pas encore la fonctionnalité de pouvoir mettre la voix en sortie télé quand on a un casque pour parler dans la partie avec ses amis. Donc voilà, ne vous inquiétez pas des fois si je peux dire quelque chose qui n'est pas en rapport avec la vidéo, c'est juste que je pourrais leur parler comme ça. Donc voilà, nous avons décidé de faire une mission moins fréquente, légèrement difficile, pour avoir plus d'expérience. J'ai en ma compagnie donc du coup un cerveau et un exécuteur avec moi. Un tacticien. Donc vous avez le tacticien du côté de Blogor, le cerveau c'est Funker Sam. Et je me suis déjà fait démonter, c'est super. Donc du coup, voilà. Bon. Nous avons Rome642 qui rejoint la partie, c'est magnifique. Nous avons notre exécuteur, du coup, nous sommes full, c'est magnifique. Nouveauté, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont se dire, ouais, c'est un jeu quand même niveau graphisme, bof quand même, c'est next-gen, etc. Eh bien, croyez-moi, comparé aux consoles, aux anciennes next-gen, enfin, aux consoles PlayStation 3 et 360, croyez-moi que les graphismes étaient vraiment, mais vraiment, vraiment dégueulasses. Ça n'a rien à voir avec le PC, je vous le confirme, vous pourrez le demander à qui vous voulez. Un habitué de Payday sur console vous dira que le nouveau sur nouvelle console déboîte en HD. Franchement, je le trouve super beau comparé aux autres. Tout n'est pas très bien défini, mais vous pouvez voir les points les plus importants, comme les armes ou les ennemis sont plutôt quand même bien faits. Le décor, bon, voilà, c'est ça un peu qui cloche, mais du côté de chez Overkill, ils n'ont jamais été, comment dire, très farouches sur le graphisme de leur jeu. C'est, ouais, voilà, ça on peut, c'est un petit truc qu'on peut leur reprocher, parce que, voilà, ils ne s'efforcent pas de nous faire des jeux très très beaux, des jeux plus fun, ça c'est sûr, parce que Payday reste quand même l'un de mes jeux, l'un de mes plus gros coups de cœur, si ce n'est, comme je vous avais dit, mon coup de cœur de l'année 2013. C'est vraiment un jeu monstrueux qui se joue en équipe, je préfère vous le dire pour ceux qui ne le savent pas, parce que même s'il a été adapté en remastered, il vaut mieux jouer en coop plutôt qu'avec des bots, car l'IA est d'une merde incommensurable. Franchement, vous devez prendre à la base du coup des sacs, vous êtes des braqueurs. Je vous le rappelle, hein, Payday qui veut dire jour de paye, vous l'aurez compris. Wouhou, attention, on fait de l'anglais avec X Rouge, c'est génial. Enfin voilà, vous devez rapporter les sacs et les IA, eux, ne ramènent pas les sacs, donc vous êtes obligé de faire les allers-retours à vous tout seul. Donc quand vous jouez fantôme comme moi, c'est plutôt simple parce que quand vous l'avez sur vous, ben, vous pouvez courir quand vous avez bien monté votre capacité et tout. C'est cool. Mais après, c'est horrible, franchement. Les opportunités que vous offre l'IA est nulle. Il n'y a rien. Voilà, l'IA ne vous fait pas de cover. Au moins, il vous réanime. Ça, c'est une bonne chose. Tant mieux. Tant mieux. Là, j'ai l'impression qu'ils m'ont spot un ninja en bas.
Je ne prête pas trop attention à ce qu'ils disent du coup pendant leur partie vu que je vous parle. La difficulté a été grandement rehaussée. Croyez-moi, le jeu est beaucoup plus dur, ne serait-ce même qu'en mode normal, parce que en fait, des nouveaux ennemis par exemple ont été rajoutés. Vous avez les ninjas. Eux, ce sont des gars qui ressemblent à Sam Fisher, avec leur vue à vision thermique nocturne, vous savez, avec les trois yeux verts là. Ils vous arrivent dessus, ils vous font des high kicks dans la gueule, et ils vous matraquent la race. Ils vous mettent un coup, ils vous démontent. C'est super, vous allez me dire. Wouhou ! Donc voilà, donc eux, c'est impossible. On a beau leur tirer dessus, ça leur fait rien. Pff, ok, si vous voulez. Donc déjà, voilà, difficulté déjà super élevée à cause de ça. Donc c'est vraiment... c'est un gros point, quand même, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça ajoute un petit peu de piment, et ça nous montre en fait que c'est un jeu auquel on peut y passer du temps, parce que... Et eh bien quand on joue seul, croyez-moi, il n'est pas fréquent qu'on y arrive souvent, quoi. C'est mis à part si on fait des missions très basiques telles que la bijouterie, 4 magasins et autres. Voilà, autre nom de missions simples dans le jeu. En fonction des missions et de leurs difficultés, les missions peuvent s'établir sur plusieurs jours, donc il y a plusieurs manches en fait. La mission est en 2 jours, il me semble. Donc du coup, on va devoir faire d'abord cette première chose qui est de livrer les sous et ensuite de fuir. Puis nous aurons une autre manche voilà, qui s'établira donc du coup sur 2 jours. Il peut y avoir par exemple un troisième ou juste un deuxième jour pour une mission d'un jour. Ça marche des fois une fois sur deux. Les flics par exemple peuvent, en fonction du temps que vous restez sur la carte, là nous sommes déjà à 5 minutes... 30 maintenant de temps resté sur les docks, donc du coup, plus on reste de temps, plus les flics se ramènent, etc. Il y a de plus en plus de monde, les poids lourds arrivent et on a de plus en plus de difficultés. Si on reste plus de temps, ben, du coup, on peut se faire rattraper une fois qu'on a fini la partie. Et il faut survivre pendant un petit moment parce qu'ils nous ont pété le fourgon et il faut qu'on survive avec les sacs qu'on a pu amener et on doit attendre le nouveau fourgon. Donc en gros c'est un espèce de siège qu'on doit faire. Ça marche voilà en fonction du temps qu'on passe dessus. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de monde qui nous attaque. La mission certes est on a mis une certaine difficulté à la mission, mais bon comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de monde quoi. C'est un truc de fou. Pour ceux qui ont pu jouer à Payday sur ancienne version sans DLC, etc., vous voyez quand même que ça a été un peu rehaussé. Mais du coup, voilà, comme je vous ai dit, on parle des DLC, donc parmi ces DLC, qu'est-ce qui a pu être rajouté? Je vous rappelle que Payday a eu un succès tellement faramineux auprès des internautes qu'une web-série en est sortie. Donc du coup, enfin... très très belle web série un petit peu moins, je crois que c'est entre 5 et 10 épisodes qui sont sortis, puis un nouveau avec le fameux Hoxton qui s'est fait choper par le FBI, etc., parce que quelqu'un l'aurait balancé. Et bien on refait cette mission que l'on a pu voir sur YouTube ou sur diverses plateformes de vidéos. Franchement bien réalisé, avec un très bon jeu d'acteurs et les acteurs remodélisés tels qu'on l'avait vu dans la web-série, donc ça je trouve ça super, c'est vachement cool. Donc après voilà, donc si vous aimez bien, vous avez donc du coup pas l'animé mais la série qui peut être suivie, qui est vachement sympa. La totalité doit faire à peu près 2 heures de film. Franchement c'est vachement cool, c'est bien mis en avant. Donc voilà, je l'explique pour ceux voilà, qui ne connaissent pas, même si je vous le rappelle encore une fois, Payday reste une licence qui commence à être de plus en plus connue. Si un 2 est sorti, c'est parce que le 1 avait fait quand même un certain malheur quoi, auprès des acheteurs. Donc du coup, voilà, enfin, on peut dire que Overkill savent ce qu'ils font parce que voilà, ils ont le petit secret du jeu arcade fun en coopération avec d'autres joueurs, etc. Donc ça, c'est un bon truc, malgré voilà, le point négatif. Je pense que pour un remastered, quand on nous dit remastered HD, 1080p et tout sur les bandes d'annonces, et ouais, moi je veux bien du 1080p, hein, mais bon, voilà, quand on a des graphismes qui ne sont pas remodelés et juste passés à 1080p, ben des fois ça nous fait... petite anecdote, vous regardez une voiture, si vous voyez une voiture ouverte à un moment dans le jeu, regardez le tableau de bord. Vous verrez le tableau de bord, j'ai l'impression que les graphistes ont modelé le jeu avec Paint. On dirait un espèce de vieux calque, tout pixelisé. Donc comme je vous ai dit, hein, les graphismes n'ont pas été retouchés, juste adaptés en 1080p. Ce qui nous fait un jeu plus fluide, plus coloré, avec des gammas beaucoup plus importants, etc. Et des contrastes beaucoup plus sympas à la vue, mais pas traités. Donc du coup, ça nous fait franchement des points de précision quand on zoome trop. Ah ben on voit les carrés de pixels, quoi. Voilà, ouais, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, les gros points positifs sont une IA
Je parle du côté des méchants, hein, parce que l'IA est toujours aussi nulle quand on est chez les gentils. Enfin, les gentils, chez les braqueurs. Remodelé, enfin, avec beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de monde là-bas, bordel, on va se faire défoncer. Ça y est, échappe possible, on peut y aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est une difficulté plus osée, donc ça c'est beaucoup mieux. Des nouveaux ennemis, donc notamment les ninjas que j'ai pu vous citer. Non, franchement, croyez-moi, c'est vraiment vraiment top. Si à un moment, bon, j'espère pas pour moi, mais si j'ai l'occasion d'en croiser un ninja, je vous dirai lequel c'est de toute façon. Voilà, donc je vous le rappelle, après on va re-expliquer un petit peu le panel par exemple pour ceux qui ne connaissent pas. Merde, je suis tombé. On peut pas passer par là, je suis bloqué, c'est super, je refais le tour. Ok, du coup, voilà, je vous ai dit, le cercle vert en bas, en dessous de chaque pseudo, c'est la vie. Le cercle blanc autour, c'est l'armure qui se régénère. Oh putain, voilà, je me suis fait démonter la gueule. Enfin voilà, avec la smoke, franchement, on n'y voit rien. Là, par contre, ça, c'est fou, hein. Vous le voyez en haut à droite, assaut de policier en cours, ça veut dire que généralement il va y avoir du rush sur vous. Donc là il faut vraiment rester sur ses gardes. Porte ouverte, on peut y aller. Ouais, c'est cool. Ça tue. Bien. Bon, allez, voilà, je vous attends les gars, faut faire vite. Bon, je pense pas que je ferai la fin de toutes les missions sur deux jours quand même, manière aussi bon, de ne pas vous montrer, ça reste juste qu'un test assez bénin. Je vous montre donc, du coup, voilà ce qui se passe quand vous avez un certain gain d'expérience, voilà ce que vous pouvez gagner. C'est vraiment top, quoi. Voilà, je vous ai dit, l'IA a été remodelée malgré des graphismes un peu bof. Mais bon, pour un remastered, c'est quand même une bonne chose, parce que Payday, quand même, c'est quelque chose qui reste néanmoins fun. Moi, je trouve que c'est un excellent jeu. Je n'en dirai que du bien, malgré tout. Je ne pourrais pas vous dire, du coup, la note qui pourrait lui être attribuée. Je vous ai dit qu'il avait eu une moyenne de 15 sur ce jeu même, sans avoir un portage HD. Voilà, c'est un jeu après qui demande quand même une certaine cohésion de groupe, et ça il faut l'avouer, il faut savoir jouer en équipe, beaucoup de communication, savoir qui doit prendre quel objet en fonction de quelle mission, parce qu'il faudra que quelqu'un, par exemple, prenne la scie avec les disques pour pouvoir limer les barreaux, pour prendre des objets derrière, pour ouvrir par exemple des portes plus rapidement, enfin voilà. Il y aura toute une connectivité entre les joueurs, une cohésion de groupe qui fera que, ou vous arrivez à faire la mission parce que vous êtes rapide, vous avez du skill, une bonne cohésion d'équipe, ou alors ben, vous pouvez tomber sur des gens qui ne savent pas jouer du tout, qui prennent pas les bons matos, et du coup ben, vous vous retrouvez un peu coincé parce que vous perdez deux fois plus de temps, et bien sûr, si vous prenez plus de temps, avant de faire, pendant que vous faites la mission, ben, vous aurez deux fois plus de monde à la sortie qui vous attend pour vous empêcher de la terminer. Voilà. Donc, vous voyez, je me rappelais plus de la difficulté, on l'avait mis en très difficile. Donc, vous voyez en fait le nombre de personnes qu'il y a, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc, c'est quoi ça déjà, cette suite de missions? Que je vous l'explique un peu. Ouais. Ah oui, donc, ouais. Ça, c'est. Donc, vous voyez les sacs qui sont tout au fond. Donc, moi, mon boulot en tant que fantôme, je l'explique pour ceux qui ne le savent pas. Comme je suis assez rapide et que j'ai. Je suis vraiment à mon aise avec du poids sur le dos, j'arrive quand même à courir à 100% de mes capacités, ou néanmoins beaucoup plus vite que les autres. Mon boulot, comme je ne fais pas beaucoup de dégâts, est surtout de faire les allers-retours du camion au coffre, en fait. Je cours tellement vite que certains atouts me permettent de limite passer entre les balles, c'est pour vous dire. Je suis beaucoup plus à mon aise sous le feu des ennemis en courant plutôt que mes collègues. Donc ça, c'est mon boulot, ça c'est le boulot du fantôme. Je vous rappelle les bases, par exemple, le cerveau, lui, a tout ce qui peut être la prise d'otages, semer la terreur, etc., voire même embrigader les otages avec, vous savez, ce qu'on peut attribuer à un de ses atouts qui est le syndrome de Stockholm. Vous pouvez rallier des gens, par exemple, à votre cause, voire même avoir l'atout Joker, pour carrément, si vous arrivez à embrigader ne serait-ce même qu'un gars de la police, il pourrait se battre à vos côtés. Enfin voilà, donc c'est vraiment le cerveau, le mec qui a l'éloquence, le brio du langage.
langage, beaucoup d'aisance de parole, et qui sait, ben, du coup, mettre un gros guet-apens oral et avoir tout le monde dans sa poche. Ça, voilà, ça, c'est le système du cerveau. Le tacticien, bon, ben, ce sera tout ce qui peut être... si je me rappelle bien, avec le C4 pour les explosifs. Après, je m'avance un peu sur l'exécuteur sans trop savoir. Je sais qu'il a une facilité aussi à porter les sacs, mais comparé au Stealth, enfin au Phantom, ben lui, il ne prend que ce qu'il y a. Moi, je peux avoir un bonus d'argent en plus si c'est moi qui le prends. Enfin voilà, après, l'exécuteur, je ne m'y connais pas trop. Le fantôme en plus peut avoir aussi des brouilleurs de caméra. Voilà, certaines classes, comme je vous ai dit, peuvent avoir l'ambidextrie, donc peut avoir des armes anakimbo. Je vous ai dit, voilà, c'est une cohésion d'équipe, il vous faut en fait des postes différents, et il me semble qu'il ne peut pas y avoir dans une équipe deux fois le même poste, si je me rappelle bien. Il me semble que oui, il ne peut pas y avoir deux fois le même poste dans une équipe, donc pas deux fois de fantôme, etc. Voilà, je suis en train de me faire défoncer, faut vraiment que j'y aille. Donc voilà, et le but en fait, donc là on va les cacher pour ne pas se les faire voler, et on doit les livrer à un bateau, et ensuite fuir. Voilà, c'est le principe de la deuxième mission, voilà, c'est fuir du côté des docks. Donc voilà, sur ce, ben voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je pense que le jeu parle de lui-même. On se fait son propre avis, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que les gens sont... T'as voulu me le jeter, hein? je vais essayer de l'attraper. Merde. Donc je vous ai dit, voilà, vous voyez, on arrive à s'entendre et vous pouvez pas l'entendre. Ça, c'est vraiment dommage. Vraiment, heureuse. J'espère qu'il y aura une mise à jour, vraiment. Vas-y, on voit. Merde, il a même pas fait 2 cm ton sac. Vas-y, renvoie. Oh merde. Bon, je suis vraiment une merde. Voilà, enfin, vous voyez, on aime ou on n'aime pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très titilleux sur le graphisme, sachant que, ouais, si le jeu n'est pas beau, ben moi, je vais pas aimer. Ok, ben, si vous voulez, à votre guise. Mais croyez-moi, c'est un jeu vraiment fun qui procure vraiment beaucoup de plaisir entre amis. On a envie d'y jouer, on a envie de recommencer à faire des braquages. On sent fort avec une arme dans les doigts, hier, avec nos jolis masques de clown sur la gueule. Enfin, voilà. Je vous ai dit, ce jeu parle de lui-même, à vous de voir si vous allez aimer ou pas. Si vous avez aimé le premier, vous ne pourrez qu'aimer le second. Si vous êtes passé sur Next Gen comme moi et que vous ne rejouez plus à vos anciennes consoles, c'est un bon investissement. Et il n'est pas cher, vous pouvez l'avoir en dématérialisé pour 38€, sous format boîte pour 49€. Donc, comparé à des jeux de Play qu'on avait pu avoir, qui avaient été reportés, etc. et qui néanmoins faisaient quand même 69€, c'est plutôt sympa de l'avoir à 20 boules de moins. Je trouve ça sympa pour l'édition disque et limite 30€ de moins pour la version dématérialisée sur le PlayStation Store. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, je vais vous laisser là. J'espère du coup que mon test vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à ciao! Coming in at dock 7.